Ouais, Shlami, puis j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien aussi. Moi, je voulais parler avec vous de Decathlon, parce que Decathlon, récemment, là, ils ont sorti un hijab running et ça a créé une polémique. Le hijab running, c'est un hijab pour permettre aux femmes musulmanes de pratiquer leur sport aisément. Donc, c'est un hijab pour le sport que tu mets pour courir, faire du sport, etc. Moi, je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait des gens qui disent « Ouais, je trouve pas c'est normal qu'on commercialise ce genre de produit en France, à Decathlon. Où est la liberté de la femme? Ton père, le gros. Ton père, il est gros. La femme, elle fait ce qu'elle veut. Toi, ton père, il est gros et y a personne qui lui dit rien. Ton père, quand il met des t-shirts, son t-shirt, il lui arrive au-dessus du nombril, tellement il a un gros ventre. Y a personne qui va le voir pour lui dire « Ouais, maigri, il fait ce qu'il veut. » S'il a envie de bouffer des saucissons à 8h du matin, il bouffe des saucissons à 8h du matin. Pourquoi il y a des gens qui parlent et qui disent « C'est pas normal qu'on commercialise ce genre de produit à Decathlon. » Mais frère, si la meuf, elle veut faire son sport avec un voile hijab running, ou s'il y a une autre femme qui a envie de faire un running string en string, ça te regarde pas. Bon, après, la meuf qui va courir en string, c'est autre chose. Quand elle va courir, elle aura 20 mecs derrière elle, 20 chacals en train de courir, en train de demander son snap, son numéro. Et chacun fait ce qu'il veut. Moi, si demain j'ai envie de grailler du Nutella avec mes doigts, je graille du Nutella avec mes doigts, je prends pas de tartine. Occupez-vous de votre trou de balle. Trouvez-vous quelque chose à faire, chiap. Et épilez-vous le cul avec les dents. Chiap. Ouais, c'est pas normal, moi je trouve pas ça. Ton père qui est au chômage, ton père il est au chômage. Ton père il va au grec, il commande une frite. Et il part. Bande de ponks. Bon, vous êtes des ponks.